Rebecca, depuis si longtemps. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Tu étais bien plus jolie avant. Louise. Je sais, ma Louisette. T'inquiète pas. Ça va repousser. Attends. On a 5 minutes. Le temps qu'elle prépare son thé. Qu'est-ce que tu fais? Rebecca, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi faire. De quel droit oses-tu nous mettre en danger? Je t'interdis d'ouvrir cette porte. Parce que tu crois encore à tout ce qu'elle nous raconte? Le monde en flammes, la guerre atomique, les extraterrestres, il y a eu tellement de versions. De quoi tu te plains? Ça pourrait être pire. Vraiment. Ce que tu veux est impossible. Nous vous attendions avec tant d'impatience. Je n'ai pas fermé l'œil pendant ces 4 nuits de voyage. Et maintenant, je suis gelée. Vous êtes partie pendant le carême. Neigeait alors. C'est froid. Ma chérie. Je vous attends depuis si longtemps. Ma joie. Ma petite lumière. Faut que je vous dise quelque chose tout de suite. Une histoire encore? Après la semaine sainte, Epicotov le connu. Demander en mariage. Tu me racontes toujours la même chose. J'ai perdu toutes mes épingles à cheveux. Je sais vraiment pas quoi faire. Il m'aime. Il m'aime si fort. Ma chambre, mes fenêtres, comme si je n'étais jamais partie d'ici. Je suis à la maison. Demain, je me lèverai et je courrai dans le jardin. Doniacha, fais vite du café, petite maman en demande. Tout de suite. Dieu merci, vous voilà revenue. Tu es de nouveau à la maison. Ma mignonne est revenue. Ma jolie est revenue. Ce que j'ai pu endurer. Je m'en doute. Je suis partie pendant la semaine sainte. Il faisait froid et Charlotte n'a pas cessé de bavarder, de... Tu ne pouvais tout de même pas voyager toute seule, ma mignonne, à 15 ans. T'as pas le droit! Je le dirai, maman. Tu seras battue encore une fois. C'est pas une morveuse comme toi qui vient m'attraper quoi que ce soit! T'es devenue folle! Vous allez crever en enfer toutes les deux. Rebecca, je te jure que je savais pas. Ouvre-moi! Pfff.
peuvent être plus que les autres. T'es juste au mauvais endroit, c'est ça? Transforme ton rêve en cauchemar. Et je te souhaite de brûler dans les flammes de l'enfer. Manger aujourd'hui? Non. Elle répète une espèce de scénette. Sans doute liée à ce qui lui est arrivé. Inspecteur, vous avez retrouvé celle qui leur infligeait ça? Non. Continue à chercher. Si seulement on avait trouvé les deux autres avant.